d'une formation à une autre. Cette fois, elle est organisée au profit des personnes vivant avec un handicap et elle porte sur la gestion des projets. Objectif, à permettre à ces personnes de mieux conduire des projets dont elles seront chargées de mettre en œuvre. La formation est initiée par la coopération italienne en collaboration avec le ministère en charge de la solidarité nationale. Roger Bembamba et Kadi Sanogo. Cette session de formation au profit des organisations des personnes handicapées porte sur la formulation et la gestion des projets. Elle réunit tous les acteurs du domaine du handicap en charge des activités de planification, de plaidoyer, de lobbying et de levée de fonds. Initiée par la coopération italienne à travers le projet Combler l'écart 2, cette formation vise à renforcer les capacités de ce groupe cible qui est victime de discrimination. Parmi les personnes intéressées par handicap, il y a un potentiel intellectuel et humain énorme. Alors, on veut les embarquer en leur donnant un instrument de partenariat et de participation vraiment important. Cette formation, qui bénéficie du soutien financier de l'Union européenne, a été bien appréciée par les personnes handicapées. Nous apprécions vraiment cette formation à sa juste valeur. Elle vient à point nommé et que le souhait est qu'il y ait beaucoup d'initiatives de ce genre pour permettre à ces personnes handicapées d'atteindre une certaine autonomie afin vraiment de pouvoir être sincèrement des hommes de demain. Les participants vont acquérir des connaissances sur les éléments clés du cycle d'un projet. De ce fait, ils seront pris en compte dans le processus de développement.